La relation qu'on a avec un jeu n'est pas la même pour tout le monde. On n'a pas tous la même sensibilité. Et de mon côté, j'ai toujours bercé dans les jeux vidéo et je pense qu'il y a des gens qui arrivent à s'identifier en fait à moi tout simplement. Et ils savent que mon avis va correspondre au leur. Et du coup, c'est simplement une relation de confiance en fait avec les lecteurs. Otakugame.fr, il est classé 22e site de jeux vidéo en France. Et c'est vrai qu'au début, j'étais assez surpris d'avoir cette place-là, sachant que je suis seul à gérer ce site-là. Les autres sites, c'est des équipes, c'est des gros sites. Mais je pense que ce qui a fait le succès du site, c'est tout simplement ma sincérité. Je parle directement et je dis ouvertement ce que je pense. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Avec la fibre, ce que ça m'a permis d'avoir, c'est surtout de gagner du temps, dégager du temps pour faire d'autres choses. Un exemple simple, c'est que pour mettre en ligne une vidéo, ça me prend à peu près la même durée que la vidéo, voire un peu moins. Et ça, c'est magique. Même dans le workflow, le résultat de la vidéo que tu as montée, elle est dans les 20 minutes, ta communauté, elle y a accès. Et ça, c'est extraordinaire.